tout le monde, les gens. J'entends faire ça. Je le dis pas. Pourquoi tu restes figé? Et parce que tu fais 3. Je sais pas, parce que j'étais parti sur salut tout le monde, les gens. Et alors? Et je voulais que salut tu tout le monde, les gens. Voilà. Je l'ai dit, moi. Mais là, je voulais te piéger encore. Tu vas bien ou quoi, Pascal? Je vais bien. Ça va. Alors, je vois qu'il y a une photo, une plage. C'est quoi ça? C'est un pompier? Ah, on dirait. Une plage. C'est quoi? Pop. Ah, striptease. Voilà, oh putain, c'est, j'adore. Ah, striptease, sachez que moi j'adore. J'ai toujours regardé ça. Ouais. C'est des trucs qui durent 20 minutes. C'est ça. Et c'est extraordinaire. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, je le dis à chaque fois. Et c'est juste ouf. Mais il y en a, ils sont trop chelous. Hein. Décollage immédiat, il était vraiment fou. Là, c'est le mec qui faisait sa fusée, tu te rappelles là. Après, il y avait ceux qui appelaient le SAV, là, l'ordinateur. Ouais, mais ils ont vu tout ça, les gens. Ouais, c'est vrai. Et ils ont adoré. Et ça, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir. Docteur Lulu. Ah, Docteur Lulu, c'est meilleur. Ah, ouais, franchement, je pense que c'est. Avec les crottes de chien. Ah là là là, on adore Docteur Lulu. Qu'est-ce qu'on aime. Du coup, les amis, avant de lancer sur Play. Les pouces, les orteils, le corps entier. Bref, les baskets, tu mets tout, les talons. Merci à talons, j'ai rajouté. Merci beaucoup, ce plaisir. Allez. Il n'y a pas de début déjà. On filme. Le caméflex. J'ai pris des bottes. Qu'est-ce qu'il fait l'ancien? Des pompiers. Oh. Le caméflex, c'est ma canne à pêche. Mais écoute-moi cet abruti. C'est quelque chose. Ouais. Faites attention en descendant, les enfants. Hein. Je sais déjà ce qu'il va y avoir. Le parapluie de Cherbourg. Ouais. Du coup, c'est à Cherbourg. Oh, comment tu fais pour voir ça? C'est incroyable. Je regardais, moi. C'était sur FR3 à l'époque. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Sur France TV. C'est fou. Et quoi. Moi, je regardais. Moi, j'adorais. Ah, tu t'en rappelles. Ouais. À 20 ans, ce truc. Ouais. Je suis sûr que tu es capable de me dire ce que tu as fait il y a 20 ans à telle heure. C'est sûr. Là, tu vas voir. Qui arrête pas de gueuler. Tu as des bottes, moi, j'en ai pas. Mon cher, moi, je suis organisé. Merde. Ah, espèce de con. Enlève cette eau. L'appareil, là. Oh. C'est un réalisateur. La voix, je le vois. C'est réel. C'est pas Mookie? Oui. Allez. Donc lui, c'est vrai. Tiens, il est fou en plus. À partir. Ah, mais ouais. Non, pas regarde, là. Il gueule déjà. Regarde. Là, avec les rochers. Là. Ok, voilà. Donc ils sont sur un tournage. Là, mais par ailleurs. Bon, alors allons-y, parce que l'eau va avancer, on va être baisés comme des rats. Bah oui, mais ça monte. Oh là là, ça y est. Il y a des blancs de river qui regardent ça. Attends, je suis pas sûr que ça soit Mookie. Mais tu le mets pas en amorce carrément avec ouais, eux. Là, oui. Et puis on prendra un contre-champ après. Bon, parce que sinon, allez, allons-y. Avec des bottes de cow-boy. Bon, là, alors c'est la première fois qu'on te voit. Tu es de dos là au départ avec... et je te fais un gros plan. C'est la première fois. Tu vois qui est-ce? Oh! Comment il s'appelle? Oh là là. Le chanteur. Là, ouais, ouais. Dick Rivers! Bravo! Je connais pas, c'est classique celui-là. Ah, mais attends, ça l'a Dick Rivers! Il est décédé? Bien sûr. Ah, mais c'est pas son âme. Ouais, je sais, je Dick Rivers. Incroyable, comme il est jeune! Dans la flotte, c'est un summum. Ah oui, là tu vois les habits. Ah, bah ouais, c'est du cuir. Bon, allez, moteur. Grosse caméra et tout. On va pas rester là 2 heures. Merde, moteur, regarde, tu vas rigoler. Allez, moteur. 3 fois. Moteur. Bien brillé. Là, je crois que c'est lui. Moteur, les deux qui arrivent, tu les vois? Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Allez, attends. On va sonner voir. Le coup des deux cons, j'adorais. Allons voir. Il y a un grande baie vitrée là, regarde. Une grande salle à manger, une baie vitrée, on voit la mer. Salle à manger, ouais, tu vois. On va leur demander qui habite là-bas. Elle n'est pas à vendre cette bicoque, moi je l'achèterais bien. Pour venir en week-end avec une belle fille, c'est pas mal. Allô. Ah ouais, il est chaud. Il y a du monde. Il sonne chez les gens normal. Hein? Ah mais le mec il sonne mais il parle, mais en fait c'est pas pour sonner, il sonne. Ah mais oui, mais... C'est un interphone, ouais, ouais. Donc faut que tu attendes, c'est ça. Que les gens te répondent. Ça sonne pas. Mais qui rentre chez les gens. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, tu rentres chez moi comme ça, mon ami, je t'accueille. Il y a des voitures, il y a tout. Ah ouais, il y a du monde quoi du coup. Ah oui. Un beau living, il doit regarder. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un beau living, vu sur mer. Après, ils ont pas l'air méchants, je suis d'accord, mais quand même. Ah ouais, ça se fait pas, ça. Oh là là, c'est chiant. Gens. Il est parti travailler. Curieux, les gens laissent leur maison toute seule, comme ça. Mais c'est normal. Quand tu pars travailler, tu laisses ta maison toute seule. Déjà, toi, tu rentres déjà chez les gens, ouais, déjà. Pourquoi tu fais ça? C'est plutôt ça, le problème. Ah, mais c'est un repérage pour un film. D'accord. Ou alors, ils sont sur le tournage. Non, ils tournent. Oui, parce que là, on peut te bouffer. Là. Ils veulent tout le temps manger. Mais ils travaillent pour manger, finalement. Dans le sens littéral du terme. On peut travailler pour faire autre chose, pour acheter des trucs qui vous plaisent. Et là, c'est pour manger, vraiment. Je vais te montrer le restaurant où j'ai bouffé hier soir. Lui, c'est 80 balles. 80 balles, c'est cher. Ah ouais, enfin, je sais pas s'il parle en francs ou en euros, mais... Le voilier, c'est moins cher, mais on peut pas aller au voilier, c'est trop lourd. C'est en France, hein. Ah ouais. Le voilier, c'est dégueulasse. On a vraiment... Le voilier, c'est dégueulasse. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. Tiens, voilà la pizzeria. Il est horrible, ce plan dans le rétro, putain. Ouais. Ça bouge. On voit que ça bouge en plus, là. Fais voir. Le moulin. C'est quoi ce resto? Il est cher ou pas? Non. Lui, c'est pris, t'as vu? Ouais, de fou, ouais. D'accord, un paradigme. 32 francs.
22 là, francs. C'est rien, ça fait 3 euros. Il nous faudrait une vingtaine de repas. Vous faites ça à combien? Parce que vous avez un concurrent là-haut. J'ai je vais l'appeler. Ouais. C'est pas une bonne combine. Retournons au petit trois hôtels et on va le prendre à la gorge. Il y a eu une cut. Je préfère un petit repas à 60 balles chez l'autre. Ah, c'est le repas pour l'équipe. Ah, mais je vais vous faire un couscous. À la place. Et un couscous, c'est pas mal, c'est original. Un couscous en bord de mer. Quand j'en fais, croyez-moi que les gens se régalent ici. Voilà, en fait, un couscous à 80. Voilà, ça suit. Un couscous, un dessert, puis c'est fini. Voilà. Parce que nous, on est obligé syndicalement à faire fromage, dessert, etc. Mais. Syndicalement. C'est incroyable, dans le monde du cinéma, Jean. Sur 20 repas, il y a eu 10 personnes qui n'ont pas pris de dessert, vous vous rendez compte? Couscous, c'est formidable. J'aime pas ça. Ah, bah arrête. Oh là là. T'écoute, on te fait faire un plat spécial pour toi. Oh, t'exagères, c'est tout ce que je déteste. La choucroute, oui. C'est pas pareil, la choucroute, t'as du goût. Si tu me prends 60 000 francs pour les effraiements. Mais il n'y a pas que ça, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a de tout, tu montes mes cahiers. Ah, bah oui, c'est lui. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans bah, tes tout, il y a tout. Y a, on a tout payé, les restos, les. On les doit hôtels, plus rien à personne. Les hôtels, les trains. On n'a pas tout payé, mais ouais. La déco, les. Qu'est-ce que ça fait là derrière les, je suis bon. C'est cher tout ça, mais on pourrait pas voler un peu d'argent. Si, ça serait bien qu'on puisse s'envoler. Je passe Jean-Pierre, 2 minutes. Vous allez faire juste un petit mot, puis c'est bon, on peut les prendre. Oui, madame Rossen. Oh, le téléphone, c'est Ericsson à l'ancienne. Mais normalement, il fallait ouvrir le clapet. Pour vous mettez 20 000 balles là. 30, Jean-Pierre. 30. Parce qu'il y a des fraiements aussi qui arrivent. C'est aussi facile que ça de récupérer 30 000 balles. Moi, je vous ferai un reçu. Qu'est-ce qu'il voulait, un fax? Elle, ça doit être l'employé. Fax. Ah ouais, un fax. Elle a la charge de prod, elle. Au revoir, merci. Bon, alors, il faut que je te fasse un chèque. Et un mot pour toi en disant que tu as le droit de chercher ce pognon. Mais je sais pas pourquoi il y en a autant. Mais je sais pas. C'est fou. J'ai posé une question qui m'a jamais répondu. Laisse partir. La caméra ne peut pas être trahie. Ta gueule. Et tu me fais chier. Alors, qu'est-ce que je vais me faire là? Alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors, elle est où, la caméra? Vous n'êtes pas foutu de donner une position de caméra. Mais la caméra. Et après, je serai mort prêt. Moi, j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui et je m'en vais. C'est fini. Ah, parce qu'il est comédien, lui aussi? Vous êtes tu pas sais, foutu. Tu me fais chier. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde. Et t'es un bordelanique. Tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot. Tu comprends pas ce que je fais? Tu comprends pas, tu expliques mal, tu ne sais pas expliquer. Attends que je pose ma caméra. Ça fait 16 heures par jour. Oh là là. Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Moi je suis un vieux monsieur, c'est fini. Je finis ce film et je n'en ferai plus avec toi. Un plan comme ça, tu veux rigoler, j'en ai fait 10 000. T'en as pas fait 10 000. 10 000, tu veux que je montre? Non, non, je connais tous tes films. J'ai fait de la merde, mais plein de merde. Ouais, ouais. Je fais de la merde. Il y en a un particulièrement, vous êtes dans le noir, on vous a même pas parlé. Je veux pas le citer, le film, je le connais. C'est pas possible de travailler. Ah, le travelling et tout, il y a du matos, hein. Comment si je disais rien? Rien, rien, rien. T'as rien compris? Tu comprends pas ce que je suis en train de faire et tu comprends pas? Non, non, tu es d'une mauvaise foi remarquable. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Un plan où elle descend là, un autre plan qui fait là. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est pas le problème. Le problème, c'est que simplement, on doit te mettre de la lumière sur le visage. Du coup, lui, il est quoi? Il est acteur? Je sais pas ce qu'il fait. Il doit être assistant réalisateur. T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Et là, ça a coupé, on est au resto. Ouais, et là, tout va bien. Ils sont plus nombreux, ils habitent. Il y a pas de squatter, là. Il est très porté sur l'argent. Bah, ça se trouve, il y a des gens qui servent à rien. Ouais, ouais. Vous me gardez les os des côtes de porc. Bon. Ah, c'est vraiment sombre, hein, en plus. Mais vous n'avez pas de reste, autour de vous. Ils ont tout bouffé chez vous, là. Les hôtels en province et les restaurants sont plus chers qu'à Paris, ce qui n'est pas normal. C'est pour ça que j'aimais bien le voilier, parce qu'un gars qui n'a pas de fric, il va là-bas, il paye 58 francs. 10 euros, même pas. Moi, j'ai jamais payé ça dans un restaurant, 58 francs. Il parle que d'oseille, c'est abusé. Aujourd'hui, il y avait un roast beef, tu l'as mangé, il était bon, hein. Non, il y avait 3 tranches de roast beef, un hors d'œuvre, un fromage, une île flottante, un café, un quart de vin, 58 balles. Mais essaye de faire ça chez toi. Même chez toi, tu peux pas le faire. Mais et t'imagines, là, pour 10 euros, tu as quoi aujourd'hui? T'as rien. T'as même pas une, t'as une entrée. Si, t'as un McDo. Ouais, un McDo. Mais dans un vrai restaurant, t'as encore un menu, ouais, pas menu léger. Ouais, 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 il faut continuer. C'est fou, c'est dingue. J'ai une estomac. Tu verras, hein, de rosé ou de rouge. Heureusement. Il n'y a personne qui peut écrire pour elle. Eh ouais. Heureusement, comme ça, personne ne les encaissera parce qu'elles sont tellement mal écrites. C'est incroyable. Il n'y a personne qui les encaissera. C'est écrit comme un cochon. Ça ne veut pas lire. Monkey signature. C'est une fausse signature, comme ça le mec ne pourra pas la toucher. Tenez. Préparation terminée, tournage.
Donc ils sont prêts à tourner. Attends. Non, surtout pas. On n'est pas prêts. Comment vous êtes pas prêts? Ouais, non, on n'est pas prêts. Oh là là. Un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. C'est long les préparatifs d'un tournage. Il faut que je le fasse maintenant, mon vieux. Il y a beaucoup de boulot là. Ça va gueuler. Je ne l'écoute pas parce qu'on n'en sort pas. Ça va partir en live. Je vous paye des vacances au bord de mer. Vous vous rendez compte, vous avez du pot. Hein. C'est encore long. Il fait que parler d'argent et elle attend. Nous sommes prêts bientôt, monsieur. Allez. Rappuie encore une fois. Ah, voilà. Bientôt. Ouais. Voilà. Et tu attention, te retournes. Attention, il commence à pleuvoir. Pourquoi il met la lumière vers le ciel? Apportez un parapluie pour elle. Apportez-lui un parapluie. Je t'ai dit qu'il allait pleuvoir. Regarde ça. Il va pleuvoir. Elle ne pourra pas avoir son chapeau. C'est un désastre. En plus, les conditions, là, ouais, le vent. Ça traîne trop, ça. On ne peut pas faire ça avec des projecteurs. Il faut faire ça à la main. Après, il a raison. Il ne faut pas traîner. Ça dure des heures, ça. Allez. Attends, tu sais ce que tu viens de dire? Tu fais ça à la main avec une panna. Tu dis n'importe quoi. Mais j'en veux pas de panna. Tu fais ça au camé. Non. Ben oui, mais maintenant, elle va attraper une saucée avec moi. On pourra pas tourner, il faudra nous sécher. Ça va durer jusqu'à demain. Faisons-le, putain. Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ça devient de pire en pire, ce tournage. Qu'est-ce qu'ils sont allés tourner là-bas? Ça se fait en plein hiver, ah, là. Ah, je te jure. Cette conne d'Hélène, elle comprend pas qu'il faut des parapluies, là. Elle pourrait en demander deux. On est à Cherbourg, il y a plein de parapluies. Ah, nom de Dieu, oh. Moi, je vais être mouillé. On va pas pouvoir tourner la scène. Oh, là. C'est chiant, vraiment. Oh. T'imagines toute l'installation pour pas la tourner? Vous avez perdu du temps au départ. Mettre ça sur la... Non. Vas-y. Il va pleuvoir, là. On pourra pas faire la séquence. C'est prêt ou c'est pas prêt? Allons-y. Oh là là. Ah, la caméra, mais il faut pas qu'elle prenne l'eau. Bon, allez, moteur. Oh, moteur. Tu te mets... Moteur, allons-y, il pleut. Oh, merde. Tiens, on pourra pas le faire. On pourra pas le faire. Écoutez, qu'est-ce que vous attendez encore? Oh là 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 là. Maintenant, on a attendu qu'il pleuve. T'as vu ou pas? T'as un vent? Il y aura de plus en plus de vent. Tout à l'heure, il n'y avait pas de vent. Maintenant, il y a du vent. C'est pas trop rose, le cinéma. C'est comme ça tout le temps. Oh là là. Alors, ça y est. Où est-ce qu'il est, ton perchman? Vous êtes complètement... Les parapluies ou quoi? Un parasol. Oh, putain. Où est-ce qu'il est, ton perchman? Où est-ce qu'il perchman. Est? Bah, comment tu sais? Alors, viens là. Mais tu es fou ou quoi? Ça fait une heure et demie qu'on est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vraiment, hein, vous vous foutez de moi, hein? Il prend des solutions. C'est dur, là. L'équipe, elle est pas au top du top, hein. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de perchman? Il va gueuler, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'était pas une perchman, t'as pas de son. Eh ouais? Ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là. Tu te rends compte? On va le faire. C'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu. Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Qu'il est con, celui-là aussi. Oh. Allez, moteur. Vite, vite, le soleil qui va sortir. Non, attends, qu'est-ce qu'il allait foutre là-haut? Allez, moteur. Moteur 5 fois déjà. Allez, moteur. Dans 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur. Moteur. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur. 11. Moteur. Allons-y. Moteur. Putain, moteur. Ça s'arrête comme ça. Ah, le dernier, ouais, incroyable. Moteur. 16 fois. Oh, incroyable. Le mec, il annonce 16 fois moteur. Ah, ça tourne pas. Et le perchman, il est pas là. Et c'était pas la première fois dans la vidéo qu'il demandait le moteur, je sais pas comment. Ah ouais. Il avait déjà demandé 6 ou 7 fois déjà auparavant. Il dit 16 fois moteur, ça tourne pas. C'était un peu long au démarrage, mais il l'a fait. Non, moi, je l'avais vu. C'est le bouquet final. Plus, c'est sur Moki, tu vois. Ouais, Moki, tu vois, gueule. Ouais, mais le mec, il est là. T'as les équipes, c'est des broquignoles, c'est bracassé, les mecs. À un moment donné, s'il faut gueuler, faut gueuler. C'est normal. C'est bracassé. Le mec, l'autre, il est là-bas. Il tourne là. Il est là-bas. Qu'est-ce que tu fous là-bas, mec? C'est comme si tu vois la caméra, elle pointait là-bas alors qu'on est là, tu vois. Ouais, sur le parking. Qu'est-ce que tu fous sur le parking? On est là, putain. C'est quoi, il y a du soleil, j'avais envie de bronzer un petit peu. Ouais, on est à l'intérieur, putain, merde. Ouais, d'accord, du coup, c'est normal qu'il gueule. Ah ouais, moi j'adore un striptease, voilà. Un striptease de plus, voilà, ça fait plaisir. Et en plus, on me l'a envoyé sur Insta, donc pareil, les amis. Ouais, c'est quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur Insta avec des extraits, donc merci beaucoup les copains, ça fait plaisir. Ouais, moi j'adore striptease, on peut y aller. Eh ben franchement, bonne surprise, ça tue. Franchement, j'ai mis à la fin, incroyable, vraiment trop bien. Le pouce, l'orteil, les amis, vous connaissez, vous abonnez. Le pouce, les orteils. Partagez, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, partout. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est le mec qui dit. Vous allez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais en fait on est sur oui, mais en plus aussi, qui viennent nous voir un peu. Ah, ça fait-il, t'as vu en même temps. Ça veut dire qu'il faut retirer l'oreillette. Ouais, c'est ça. Ou ça veut dire qu'il faut se casser. Voilà. Allez, salut tout le monde, les gens.